Zoe had just defeated Ramirez when a dark, new threat emerged. A threat fueled by man's desire to use knowledge for power. My lady, we have a new problem. Rasbun and his ghastly Order of the Dragon are trying to gain control of Bishop Matthias's library. If its knowledge falls into their hands, the Order will have access to powerful technologies. And I presume that is undesirable? Wars, my lady, are not merely won by force alone, but by whoever possesses the technological edge. I understand. Then there's no time to waste. We must beat Rasbun to the chase. I am glad you are aware of the seriousness of the situation. Princess, I have a plan. If we want to stop Rasbun, we should win the Archivist's favor. Living at the ancient library, he has access to powerful technologies. If we send clerics to help him with his research, he surely will show us how to use this technological knowledge. So, do not lose time. I warn you, Princess. Do not interfere with my business. The Order possesses powers you do not want against you. To train clerics, we need a church. As you can see, this... Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième mission de Settlers 7. Allez, c'est parti. Il existe déjà une économie de base, heureusement. Ah ouais, ok. La carrière et tout, elle est là, ok. Alors, de l'or, est-ce qu'il y a de l'or? Une mine d'or? Pas l'air. Mineur d'or, ok. C'est bon, ça passe. Alors, il y a quand même une... Alors, on va essayer de regarder la map. Je suis ici. Terrain neutre. Cloître de l'artisanat, bibliothèque antique, cloître de la science. Ok. Bon. Ben, je vous propose qu'on fasse tout de suite et sans attendre la bouffe. Voilà. On va faire ça. Et on va placer une deuxième ferme, peut-être ici derrière, pour avoir une deuxième ferme et un apport ou pas. Où est-ce que je peux la placer, cette ferme? Un truc de dingue. Ou alors... Regardez bien. Voilà, je vais placer une ferme ici. Et je vais la laisser exploiter tous les alentours. Avec un peu de chance, ce sera peut-être et certainement possible de faire ça. Alors, on va refaire une ferme. Il n'y a pas de raison après tout.
et on va lui allouer le maximum de place pour tout ça. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ici. Alors, est-ce qu'il y a une production de bois? Il y en a. De planches, il y en a. De la pierre, de la houillère, il y en a. De l'or, il y en a. De la pièce d'or aussi, elle ménage. Ouais, il y a vraiment une petite économie de base, hein, comme on nous dit. Il n'y a pas de chasseur par contre. Je vais regarder. Alors, ce que je peux proposer, c'est déjà engager des piquets peut-être. Ouais, on va faire ça. Attendez, il faut que j'arrive à voir où je vais mettre les pieds. Hein. Alors ici. Ouais. Ok. Un entrepôt, c'est fait aussi. Vous voyez, donc régulièrement il y a placé des entrepôts, donc c'est bien la preuve que je me trompais pas sur la nécessité des entrepôts. Ok, l'entrepôt aussi, donc vous voyez. Par contre, ça c'est un petit peu embêtant. Un pavillon, bûcheron, scierie. Bon, on va mettre encore un bûcheron. Voilà. Pour le moment c'est ok. Ah, on va peut-être placer un pêcheur ici, enfin un pêcheur, une série de pêcheurs je voulais dire. Tac. Alors. Voilà, bien sûr, bien joué. La ferme elle est en plein milieu. C'est pas grave. La route, non c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Pêcheur. Pêcheur. Voilà. Bon. Alors. On va voir combien il y a de production de 3 moulins à vent. D'accord. 3 boulangeries et 8 greniers. Ok, ça tourne. Pour la bouffe, ça va le faire. Je vais regarder les objets de prestige parce que depuis tout à l'heure, voilà, il me tanne avec les objets de prestige et ça se trouve ici. Voilà, grand objet de prestige. Produit une couronne. Mais ça consomme malheureusement de la pierre. Non, ok. Ah, une église, ok. Voilà, une église maintenant à débloquer. Ah, caserne, guilde et compagnie et église. Ok, église. Voilà, débloqué. Ok, bon, ça veut dire que concrètement, je peux construire l'église maintenant. Alors. C'est une blague. Voilà, bon, je sais pas si c'est bien, nickel. Ah ouais, d'accord, il y a une demeure ici avec toute la bouffe. Je propose, c'est qu'on construise une nouvelle demeure ici. Ok, j'ai pas compris. Donc il met un pavillon, il met un truc de bûcheron et c'est tout. Pas tout compris, mais c'était bien, on va dire. Bon, alors au niveau des thunes, j'ai déjà recruté des gars ou quoi ici? Je suis à combien? 5. Là. Ah, peut-être pas recruter trop. 3. 3 ça me suffira. Comme ça je peux déjà attaquer la zone à côté ici en neutre.
quoi je pourrais déjà le faire. Alors, on va pas se casser la tête. Hop. Voilà, c'est parti. Et bien entendu, on a déjà un problème de settlers ici de population. C'est pour ça que j'ai construit des maisons. Je sais plus où est-ce qu'elles étaient d'ailleurs. Là, ici. Il n'y a pas d'entrepôt ici? Si, là. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de ressources. On va voir. Bon, ils ont un long chemin à faire. Alors, je vois qu'on est déjà à 7. Alors, je sais pas pourquoi. Parce qu'à la base, j'en avais envoyé que 5. Alors, on verra 8, non? 6. Ok, donc on a une perte. Voilà, on a gagné une bataille. On va pouvoir s'octroyer la zone ici, remplie de viande. Ouais, nickel. Avec de la houillère, je crois. Ouais, de la houille. Et il y a de la viande à tous les sauces. C'est nickel. Hein? On va faire au moins 10 mousquetaires, ça me paraît correct. Et on va faire 4 piquets. Comme ça on a une armée de 20. C'est assez conséquent déjà, mais ça va en fait. Là, ici c'est bon. On capture. Voilà, c'est à nous. Alors, mine de houille. Alors ici, un pavillon de chasse. Chasseur. Chasseur. Et chasseur. Voilà. Alors, où est-ce qu'on avait encore des endroits de chasse? Ici. Alors. Je vais tenter de mettre... Ouais, on a un pavillon. Attendez, est-ce que j'ai bien mis ça? Oui, un pavillon. Alors, on va placer... le pavillon au plus près. Voilà. Chasseur. Chasseur. Et Siri, pour changer. Alors, je sais pas si je dois la rejoindre comme ça ou comme ça. On va faire comme ça, pour délimiter, pour faire une parallèle à la route principale. C'est jamais... Et on va refaire une production. Alors, du bois peut-être? Je ne sais pas. Je vais pas mettre de pavillon ici parce qu'il n'y a que 4 cuisseaux, on va dire. Ça sert pas à grand chose. Par contre, ce que je peux faire désormais, c'est de mettre des entrepôts. Et ça, c'est important. Ok, bon. Voilà, bon. Alors l'église. Où en sommes-nous dans la construction? L'église, il lui manque... Ah ouais, 10 planches et 10... Et 10 pierres quand même. Hein. C'est quelque chose de costaud. Elle est où? Elle est là. La base de l'église est là. Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manquait des pierres.
Et je confirme, il manquait des pierres. C'est parti, la construction de l'église se fait. On va pouvoir passer directement au... Comment dire? Au prochain épisode. Enfin, au prochain épisode, non, mais... À la prochaine séquence de la mission, voilà. Princesse, you are doing well. Voilà. The new church looks beautiful in your... Alors, de la bière. Let me tell you a secret. You attract clerics with beer. Alors. So, you should build a brewery to produce it. Voilà. De la bière. Et on va en faire deux même. Parce que de toute façon, on a les capacités pour faire ça. De production. Il nous faut une fontaine, un puits du moins. Parce que si on n'a pas d'eau. Je bim. Je vais même en mettre un deuxième parce que vous allez voir que ça va. Voilà. Alors, fortifiant. Vous pouvez attribuer de la nourriture à un bâtiment principal en vue de stimuler la production des lieux de travail. Ah, ok. Ok, bon. En gros, on va voir ça tout de suite. La brasserie, besoin... Ouais, ok. Quoi, la brasserie, elle est déjà faite ? Ah ouais, ça va vite, ça. Donc, c'était... La boulangerie, elle est où la boulangerie? Là. Purée, je peux toujours pas le faire. Demeure? Ah, la demeure, voilà. Donc, on n'a pas de nourriture, donc la production de tous les lieux et travail associés sont de x1. La nourriture ordinaire, x2. Donc, on peut voir qu'on a 53 nourritures ordinaires, 54 d'ailleurs. Ou la nourriture raffinée qui est donc, elle... la nourriture raffinée, donc le saucisson et compagnie. Mais bien évidemment, tout ça a un revers de la médaille. Si jamais vous n'avez pas les ressources, vous ne produisez à rien. Donc, toujours faire attention et vérifier ses stocks. Et ses productions, bien évidemment. Hein. Très, très important, les amis. Voilà, bon. Et du coup, qu'est-ce que j'ai en stock, moi? Now use this beer to train clerics. C'est la farine ici. Moulin à vent. Non, en fait, mais ça descend fortement. Tiens, j'ai pas de boucherie. Oh, oh le gros mistake. Alors, une boucherie. On va faire ça tout de suite. Ok. Dans la famille boucherie, je cherche le petit. Petit boucher. Mais c'est une blague ou quoi? Je le trouve pas. Non? Ah, dans la noble demeure. Chercher ici, on va mettre bah, deux bouchées pour commencer, ça me paraît bien. Voilà, bon, alors maintenant l'église, comment on peut, avec quoi on peut, une bière, deux repas et un settlers, ok. Combien il faut? 3. Ça devrait être relativement rapide. Étant donné que j'ai l'air d'avoir quand même une bonne... Ah, vous avez entendu la petite sol, la petite clochette? Eh ben ça, c'est déjà un ecclésiastique de formé et de 2. Voilà, déjà fait. Splendid princess, your clerics are ready. Quickly, send them to the archivist in the ancient library. For he will in return grant you access to all the secret knowledge hidden in his books, without which we could not research powerful new technology.
But how do we stop Raspoon? The key to that answer, my lady, lies in science. Research will prove most valuable in defeating Raspoon. Ok, c'est parti. Bon, on a encore une fois une limite. Notre limite atteinte. Ouais, bon. Faudrait que je puisse. On va faire ça. Regarde. Tac. On va relier ici. Et tant pis pour eux. Voilà, c'est très bien. C'est pas. Au final, ce n'est que la demeure qui m'intéresse. Donc, on va pouvoir se permettre eh bien, de construire quelque chose comme ça. Là aussi. Et là. Porte bloquée. What? Bon. Je respecte. Ou pas. Alors, vous voyez que au niveau. Voilà. Voilà, on va placer ici. On va placer ici. Voilà, comme ça on a déjà trois nouvelles demeures qui sont entre parenthèses en attente. Alors, j'ai plus que trois unités ici, c'est là. Attendez. Moi je suis qui? Ah non, voilà. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai que trois unités ici? Bon, ça passe. Alors, pas à cette l'heure, c'est évidemment. On est totalement à l'arrêt ici. Heureusement, la houillère fait son boulot. L'église, on a ce qu'il faut. Alors, envoyer des novices à la bibliothèque. Comment on fait? Hop. Hop. Ouais. Agir sur les lieux d'événements. Pour agir, que vous rencontrez, cliquez sur l'icône du dragon. Ces lieux d'événements proposent des quêtes à accomplir, ok? L'un des moyens d'accomplir une quête est d'y envoyer des ecclésiastiques. Oh, faut pas être bourré. Alors. Ouais. Ok. Donc. Si je fais ça. Ah ouais, envoyer. D'accord, c'est parti. Ouais. Pas de soucis. To strengthen your economy. Keep in okay. mind that there will be fights later on. Ah, il est sympathique, hein. N'oubliez pas que des combats vont avoir lieu. Ouais. Merci. Alors. Alors, bien sûr, on n'a pas assez de settlers, ça. Ça reste là. La constante ici, notre énorme problème. Donc on va essayer de résoudre au plus vite, j'ai envie de dire, mais un peu dans le caca là. Voilà. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à espérer. Et attendre. Ok, bon, ça chasse déjà. Waouh. C'est soche. C'est choche. Bon. Alors. Voyons un peu tout ce qui m'attend. Ah bah. Oh, thank you, ça a été plus vite que ce que je pensais. This surely proves your interest in my work and ancient knowledge. As a token of my appreciation, I shall now show you how you can access powerful technologies that will be of great benefit to you.
Bravo, Princess! The Archivist is pleased and grants you access to his research at the monasteries. Now, as he granted you access to the technology board, you should do some research. Ok, on a des recherches. Great help in overthrowing Rasputin's fortifications. Alors, voyons voir ce qu'on a. Bon, on a toujours autant de settlers qui sont en galère. Alors, prestige, ok. Point de prestige 1. Alors, ouvrez le tableau des technologies ici. Voilà. Alors, donc on peut faire marche forcée. Vous, les troupes se déplacent deux fois plus vite. Ok. Balistique. Les attaques à longue portée des mousquetaires et des canons et des fortifications provoquent 33% de plus. Wow. Et la géologie. La vitesse de production des tailleurs de pierre est de 40, tandis que celle des mineurs travaille à 60% de leur vitesse. Ouais. Ok. Bon. Alors, ce qui serait peut-être bon une fois, c'est d'aller mettre son nez ici. Et de mettre les priorités. Hop. Alors. Hop. Hop. On va faire ça même. On va en placer une, voilà. Pour pouvoir justement pas, comment dire, court-circuiter notre production. Vous voyez donc, une maison sur une production sur deux, voilà. Bon après bien sûr la fin, je peux plus rien faire pour elle. Hein. Parce que vous voyez là, ils doivent venir d'ici pour aller porter les ressources et repartir. Et effectivement, ça les perturbe totalement, enfin ça prend énormément de temps. Alors voilà, on va raccélérer un peu le jeu. Le chasseur, tandis que le chasseur fait son office ici, vous voyez. Ouais, c'est entrepôt. Attendez, pum pum pum, logistique, qu'est-ce que j'ai fait? Un entrepôt, ok, et après une demeure, ok. C'est le plus important. Comme ça, comme je vous l'ai dit, une fois sur deux, il y aura une possibilité de faire avancer un peu le schmilblick ici. Alors par contre, je ne sais pas du tout. Attendez, hop, hop, hop. Ok, j'ai toujours pas les contrôles. Ça passe. Ça passe. Alors, on va faire une route. Hop. Et on va faire des nobles demeures aussi. Y a pas de raison. Peut-être. Que sais-je, que ça irait un peu plus vite. Que sais-je. Bon, parce que là on a un problème de settlers, hein. Ça c'est indéniable. Beaucoup trop de settlers en fait. Voilà. Et si on met des grandes demeures? Oserais-je? Bien sûr que j'oserais. Boum. Regardez-moi ça. Quel scandale. Boum. 74 personnes, vous voyez, et il manque encore des gens. C'est un truc de dingue. Alors, est-ce que là, cette économie commence à... Ouais, elle commence à fonctionner par elle-même. Ok. Bon, au niveau des ressources. Non, bon, ça va. Ça descend pas, ça monte pas. Oh là, il y a des grosses variations, mais ce qui est logique, en fait. Ça produit et ça renvoie directement au moulin ou à la brasserie, c'est au choix. Donc ça va, ça passe. La viande, donc la boucherie. Toujours pas de boucherie, ok.